principal port de débarquement des flottes tonnières opérant dans l'océan Indien, Victoria aux Seychelles se situe au cœur des enjeux environnementaux, économiques et techniques liés à cette activité. Les autorités seychelloises semblent bien avoir pris la mesure de ces défis et participent activement au débat sur l'avenir de cette pêcherie. Nous sommes vraiment actifs avec la CTOI, quand nous participons, nous faisons bonne recherche, nous participons à bonne recherche. Nous avons une résolution qui nous présente, nous table au niveau CTOI. Pour faire ce qu'il y a une bonne mesure qui est capable de bien gérer bonne ressource. Sans doute, pas tout bon pays qui même niveau, nous nous sentons qu'il y a un petit peu plus avancé, mais nous, pour l'instant, il y en a un petit peu plus corporation, bon pays régional, pour travailler aux bonnes résolutions, pour amener bonnes résolutions, pour faire ce qui bonne ressource temps et exploiter à un niveau soutenable. La CTOI, la Commission des tons de l'océan Indien, dont le siège est d'ailleurs basé dans la capitale seychelloise, à la charge de gérer la ressource tonnière régionale en s'appuyant notamment sur des études scientifiques. Une importante campagne de marquage de thon, initiée en partenariat avec la COI, la Commission de l'Océan Indien, a ainsi permis, il y a quelques années, d'affiner les modèles servant à évaluer le stock de thon disponible. Avec le soutien de l'Union européenne, plusieurs projets ont été mis en place, dont le plus important, le plus spectaculaire, et peut-être même unique au monde, ça a été le projet de marquage de thon, qui a permis de marquer plus de 150 000 thons, ce qui aujourd'hui nous permet de dire comment évolue le stock, qu'est-ce qu'il convient de faire, qu'est-ce qu'il ne faudrait pas faire, de manière à protéger cette ressource pour les générations futures, et d'autant plus que c'est à la fois extrêmement utile pour l'ensemble de la région sur le plan de la sécurité alimentaire, mais d'autre part, c'est aussi une activité économique, industrielle, de première importance, représentant pour un certain nombre de pays un pourcentage assez élevé de leur PIB. Le tagging, le projet tagging qui a été fait il y a quelques années a apporté beaucoup d'avantages au niveau scientifique parce qu'ils ont pu revoir un peu les différents paramètres de les growth parameters des thons, les migratoires, et voir où le thon part. Et je crois que ça améliore beaucoup au niveau gestion, mais aussi au niveau d'analyse et les modèles qu'ils utilisent avant. Et ça, avoir un gros avantage pour l'analyse de stock, mais qui vise vers pour avoir une plus bonne assessment sur le tel stock. Cette préoccupation de la préservation de la ressource thonnière constitue d'ailleurs une question centrale pour la Commission de l'Océan Indien. 20% de la production mondiale de thon vient de l'océan Indien et au fait 40% sur le marché européen. Donc la vraie question pour l'ensemble des pays de l'océan Indien, c'est de veiller à ce que cette ressource qui fait vivre des milliers de familles dans l'ensemble de la zone, environ 15 000 familles, et qui grosso modo représente environ 3 milliards d'euros, que cette ressource, qui n'est pas inépuisable, soit bien gérée. C'est donc pour assurer la durabilité de la pêche au thon dans la région que sur avis scientifique et après plusieurs années de discussion, la Commission des thons de l'océan Indien a récemment adopté une importante résolution. Présentée par Maurice et appuyée par l'Union européenne, cette nouvelle réglementation interdit aux thoniers senneurs de disposer de plus de 550 dispositifs de concentration de poissons. Cette mesure est une base précaution que la Commission a pris cette année. Et ça se basé sur peut-être la quantité de DCP actuellement dans l'océan Indien. Et cette mesure est voit comme un avantage au niveau de ne pas laisser les DCP aller être déployés au niveau qui soit peut-être détriment des stocks. Équipés de balises de localisation par satellite et bardés de capteurs électroniques, ces DCP ou FATS en anglais constituent les armes stratégiques des plus gros seineurs. Alors la limitation récente d'un nombre maximal autorisé de DCP actifs
à un instant T, donc à 550 balises actives par senneur. Elle est pour les scientifiques un signe plutôt positif de la prise en compte des problèmes potentiels liés à l'usage des DCP. Donc c'est une résolution que nous avons scientifiquement concouru à mettre en avant et progresser sur ces questions, car aujourd'hui, il est très très compliqué de suivre les DCP, les activités sur DCP et les effets que ces DCP ont sur la ressource. Alors pour des raisons de confidentialité et de compétition entre armements, des stratégies entre flottilles, nous avons eu beaucoup de difficultés, les scientifiques, à avoir les données sur les DCP. Donc le nombre, les positions, les stratégies, car c'était pour eux une façon d'être toujours en avance sur leurs concurrents. Dans de telles conditions, la limitation décidée par la CTOI permet au moins d'y voir plus clair. Ça me dit qu'il ne gagne pas IoT, c'est concernant le contrôle niveau BANFAD, IN, qui peut-être pour le moment n'est pas la meilleure solution, mon cas a dit, mais au moins il n'y a pas vers l'avant. Nous avons besoin de commencer à l'endroit, c'est-à-dire 550 radios par bateau, par l'année. En effet, il n'y a pas vraiment par l'année. À tout le temps, il faut avoir 550 radios qui sont actives. Pour la communauté scientifique, le principe de précaution rendait nécessaire cette limitation du nombre de radeaux. Et le deuxième problème, c'est tout simplement les effets eux-mêmes, puisque on a beaucoup de difficultés à évaluer les effets sur la croissance, sur la mortalité, sur les migrations. On commence à montrer des effets, mais on a du mal à réellement les distinguer de la variabilité naturelle des ressources. Et ça, ce sont des gros sujets actuellement qui sont en cours d'étude. Et pour l'instant, on a un peu une approche de précaution vis-à-vis de ça, puisqu'on sait que le nombre de DCP n'a fait qu'augmenter au cours des 20 dernières années, et que les bateaux pêchaient aussi bien avec moins de DCP. Donc puisque la ressource n'est pas surexploitée, il paraît plus opportun de réduire le nombre de DCP et d'éviter cette course en avant, qui génère aujourd'hui, on dit qu'il peut y avoir plus de 1000 DCP à l'eau pour certains navires espagnols. Donc aujourd'hui, avec la limitation à 550, on a l'impression quand même que la CTOI pousse un cri d'alarme et commence à se poser des bonnes questions sur les effets de ces radeaux. Cette décision a pris à côté de notre décision d'avoir une groupe de travail pour analyser l'impact des DCP et aussi trouver quelle est la quantité maximale qu'on peut avoir dans l'océan et pour utiliser par le thonier. Alors, cette année peut-être ou début de l'année prochaine, on va avoir cet atelier qui tous les acteurs, les ONG, soient invités pour discuter un peu au niveau l'impact des fans, mais aussi la quantité que doivent utiliser, et après cette recommandation va être mise à la portée du comité scientifique, et après il va y avoir une décision qui va être mise au niveau de la commission pour dire mais bon, on va avancer dans cette direction. Si la décision a bien été prise, comme toutes les résolutions de la CTOI suite aux recommandations du comité scientifique, le nombre de 550 radeaux semble pourtant résulter d'un compromis. Alors la réduction à 550, elle a été, comme toujours au sein des commissions thonnières, une décision politique, avec un intérêt qui n'est pas uniquement scientifique. Donc je vous disais qu'on a des difficultés à évaluer les effets et à connaître le nombre de radeaux. Donc cela rend plus difficile de définir un seuil optimal ou minimal ou maximal de DCP à l'eau. Il est évident que les Français avaient un maximum de 200 balises par bateau par an, et que cette limitation à 550 les a plutôt incités à augmenter leur nombre de balises et avoir des effets un petit peu opposés à ce qui était désiré. Surtout que cette limitation à 200 avait été mise en place par les armements eux-mêmes, donc c'était une auto-limitation. We were present at the commission meeting in Korea when this decision was taken. We noticed it was a very controversial decision. We don't have an issue with FADs in and of themselves. We believe there's a place for the FAD fishery in the Indian Ocean. But the basis for the 550 limit is a little bit questionable. We feel it's not based on scientific advice, but rather on
more of a commercial decision. Mais pourquoi faudrait-il absolument limiter l'emploi de ces DCP et quel est leur impact réel sur la ressource thonière régionale? Plus on augmente le nombre de radeaux, plus on augmente les captures, donc plus on augmente la mortalité sur le stock. Sur la biologie et l'écologie, on a des débats scientifiques, on manque pour l'instant de recul et de données. On a montré, certaines données ont montré des changements migratoires, potentiellement, avec des petits thons qui suivraient les radeaux quand ils dérivent. On pense également que ça pourrait affecter la croissance, puisque ces milliers de radeaux entraînent des agrégations des petits thons, essentiellement, avec quelques gros thons, et que du coup, il n'y a pas de nourriture disponible satisfaisante, suffisante sous ces radeaux. Donc on pourrait imaginer qu'à terme, les thons n'arrivent pas à atteindre des niveaux suffisants d'alimentation. Cela a été montré par des indices de condition, par des estomacs. La plupart du temps, les estomacs sont vides sous les radeaux. Enfin, un des problèmes majeurs qui est posé par la DCP, qui est souligné et mis en évidence aujourd'hui essentiellement par les ONG environnementales, ce sont les prises accessoires. Puisque progressivement, les thoniers seniors se pêchent de plus en plus sur radeaux et que l'agrégation des thons autour des radeaux a aussi des contre-effets qui sont l'agrégation d'autres espèces. Ces prises accessoires ou bycatch pourraient bien, dans un avenir proche, constituer une matière première intéressante pour des opérations de transformation à haute valeur ajoutée. Concernant bycatch, nous, l'autorité de la pêche, nous en avons une politique en ce moment pour valoriser le bycatch. C'est en ligne avec le développement des blue economy. Essentiellement, c'est un concept qui se tourne vers l'océan. C'est le développement économique des océans, c'est la bonne gestion des océans. Ça concerne toutes les activités liées d'une façon ou d'une autre à l'océan, que ce soit le tourisme, que ce soit les activités commerciales, transport, sécurité en mer, développement des ressources minières et autres. C'est une gestion à très long terme. Évidemment, la pêche restera une activité très très importante pendant beaucoup d'années à venir. Mais il y a aussi d'autres activités qui se développent en ce moment, comme l'aquaculture, il y a aussi les possibilités d'exploitation des hydrocarbures ou des minerais. Il y a aussi une biotechnologie qui sont pas encore développées. Et nous voulons aussi développer les ressources énergétiques marines. Qui encore ne sont pas développés. À Providence, des ateliers ont déjà été construits pour accueillir les futures entreprises de transformation du bycatch. Ces ateliers rentrent entièrement dans le concept de notre économie bleue. On a un intérêt à valoriser davantage le poisson de notre pêcherie artisanale et aussi de la pêche semi-industrielle. On a envie d'avoir plus de revenus et de bénéfices de notre production locale. Et en fait, on veut créer des marailleurs, des transformateurs de produits de la mer pour faire des produits haut de gamme, éventuellement pour l'export dans des pays en Europe, voire d'autres pays dans la région, et également pour fournir le marché local pour le tourisme. Parallèlement à ces petites unités, le groupe Jacquard, en partenariat avec l'État séchellois, construit d'importantes installations. Nous sommes en train de développer un nouveau quai ici aux Seychelles. C'est un partenariat public-privé avec le gouvernement séchellois. Il vise à construire et à opérer un quai de 425 mètres ici à Île-du-Port. L'unité de stockage, c'est effectivement des chambres froides qui seront à moins 20 degrés jusqu'à moins 40 degrés pour les gens qui font de la qualité premium. Le thon destiné à la qualité sashimi, mais aussi une unité de sorting, en fait le tri par espèce, par taille et par qualité aussi, qui seront offerts à l'ensemble des armements de pêche ici. Mais ces développements n'ont de sens que dans une zone sécurisée où la pêche illégale est sévèrement contrée. Le programme régional de surveillance des pêches, piloté par la Commission de l'océan Indien,
y contribue largement. Grâce à un soutien de l'Union européenne sur le plan financier, s'est mis en place depuis plusieurs années déjà un programme de surveillance de cet espace qui est énorme puisqu'il s'agit de plus de 5 millions de kilomètres carrés de zones exclusives sur l'ensemble des îles du sud-ouest de l'océan Indien. À l'évidence, aucun pays seul ne peut assurer la surveillance, ne serait-ce que de sa propre zone, ce qui fait que nous avons pu mettre en place un programme qui mutualise les ressources et les moyens et qui a produit des résultats spectaculaires. D'ailleurs, ce résultat est tellement probant que l'Union européenne parle souvent de la possibilité de répliquer ce modèle dans d'autres régions du monde. Alors, en mutualisant les ressources et les moyens, nous assurons plusieurs missions de surveillance dans l'ensemble de la zone, avec des résultats qui sont parfois spectaculaires. Il y a des pêcheurs illégaux qui ont été arraisonnés. Et de plus en plus, nous obtenons des moyens qui sont de plus en plus sophistiqués, la télédétection et d'autres moyens technologiques qui nous permettent donc d'assurer une bonne surveillance de la zone, même s'il faut assurer en permanence, parce que les risques sont permanents. La grande question qui se pose à nous pour les années à venir, c'est une fois le financement de l'Union européenne terminé, il faudra que nos États pérennisent ce projet et donc investissent pour nous permettre de continuer à assurer cette surveillance qui a été utile non seulement sur le plan de la pêche, je suis même persuadé que c'est un des éléments qui a été aussi extrêmement utile dans le cadre de la lutte contre la piraterie. Parce que ça a permis d'être présent sur la zone, pas des bateaux, pas la télédétection, par l'aérien, ce qui permet de dire aujourd'hui que, grosso modo, cette zone est plutôt bien sécurisée. Le poids économique déjà conséquent de la pêche thonnière dans l'océan Indien pourrait bien être accru par les importants développements industriels en cours. Mais cette perspective favorable suppose une gestion responsable de la ressource. Deux organisations régionales complémentaires, la CTOI et la COI, s'y emploient en partenariat avec l'Union européenne.